Voilà, voilà, j'espère que vous entendez le micro parce que ça doit être encore un putain de paramètre d'OBS. Alors, normalement, cette fois-ci, c'est bon. Je vois que le. Voilà. Enfin, bref, c'était. Euh... En fait, je me rends compte que je viens de parler environ 2-3 minutes dans le vide. Euh, sauf que, en fait, OBS euh, m'a encore fait un caprice, apparemment. Il a... Il a apparemment sélectionné le mauvais micro par défaut. Donc, euh, merci de m'avoir fait la, la remarque parce que je ne pouvais pas forcément m'en rendre compte. Parce que bon je, voilà ça paraît évident. Mais voilà. Euh, donc, je, donc je voulais dire effectivement alors ce live que je fais maintenant euh, ce samedi soir en fait il a pour but de remplacer euh, une, euh, une diffusion. arc, Une diffusion d'un épisode que j'aurais dû sortir ce matin, mais le problème C'est que j'ai été un petit peu à la bourre avec cet épisode. Et le deuxième souci. C'est que j'ai quand même fait quelques erreurs, enfin un peu, pas mal d'erreurs de conduite dans, euh, sur le trajet. Donc c'est-à-dire par exemple, il y a un moment où il fallait que j'aille au centre sur une voie BHNS. Et du coup, la signalisation, bah, les fameuses flèches jaunes qu'on voit un peu partout, elles n'étaient pas très bien disposées. Donc du coup, je me suis trompé. énormément. ça, je ne peux pas trop me le permettre dans un épisode d'Omzi 2. Euh, donc il y a aussi ça. Et le problème, c'est que j'ai fait ça euh, jeudi soir. Donc évidemment, entre ce moment et euh, samedi matin, il n'y en a pas pas beaucoup d'autant plus que ce vendredi j'ai été pas mal chargé donc voilà pourquoi je n'ai pas sorti d'épisode ce matin donc en guise de remplacement je fais ce live alors ce live ne sera pas un live de deux heures mais je pense à tout cas c'est grosso modo autour des 45 minutes suivant euh, suivant ce qui se passe comment ça va avancer s'il y a des choses à côté euh, que si j'ai envie de faire quelque chose à, à côté après voilà mais bon supposons déjà une demi heure à 45 minutes ça devrait euh, ça devrait suffire et en plus comme ça, euh, si jamais vous aviez des questions de, de la sorte, eh bien, je n'hésitez pas à les évoquer, puisque c'est un petit peu aussi le but. Hein, c'est fait aussi un peu pour euh, vous, ces, 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 ces questions. Donc c'est aussi un moment d'échange un petit peu, parce que je vois que vous ne postez pas beaucoup de commentaires sur les vidéos, ce qui me déçoit un petit peu. Donc c'est vrai que j'attends aussi un petit peu de votre part des, des commentaires, quoi. Parce que c'est grâce à vous aussi que je peux... Euh, gérer mes contenus euh, gérer mes contenus les améliorer faire des choses euh, créer des, 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 des choses donc c'est un peu aussi en partie grâce à vous alors actuellement vous ne pouvez pas le voir à l'écran mais je suis juste en train de concevoir un panneau d'arrêt parce que comme vous pouvez le voir sur l'image euh, parce qu'OBS, j'ai sélectionné le jeu omsi2 enfin l'éditeur donc vous ne pouvez pas voir ce que je fais à côté. Mais ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de modifier un nom d'arrêt. Donc là, vous voyez euh, un nom d'arrêt, là, euh, Menzinger-Strasse, donc le quai numéro B. Euh, sauf que le problème, c'est que ce quai numéro B, il est... Enfin, ce quai euh, B, c'est pas... Les lettres ne sont quand même pas des numéros. <laughs> je dis n'importe quoi, décidément. Euh, donc le problème de ce, de ce numéro, en fait, c'est que... Enfin, c'est... Oh, non mais c'est n'importe quoi, sérieux, quoi euh... Cette lettre n'est pas adaptée à cet emplacement, donc logiquement ça devrait être les lettres C et D. Donc du coup ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'éditer un panneau en arrière-plan, mais vous allez voir, je vais appliquer la modification. A euh, noter que pourquoi en fait il y a une lettre C et D ici de ce côté Bon parce que c'est la ligne 107 évidemment, mais c'est parce qu'évidemment il y a déjà deux quais qui sont ici pour la ligne 102 qui existe déjà depuis un moment, donc les plateformes A et B respectivement. Donc logiquement, euh, il devrait y avoir C et D ici. Alors je ne cache pas que la gare centrale, évidemment. Euh, la gare centrale, c'est euh, l'un des endroits qui regroupe quand même le plus de quais. Je crois j'arrive à la lettre J, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Euh, toute plateforme confondue, hein, que ce soit celle dehors ou celle sous, sous la gare. Après, euh, les autres, les autres cas en général ça va au grand maximum à 4 plateformes. Si je vois le nom de mes arrêts dans le dossier, bah par exemple j'ai euh, of A jusqu'à of K. Euh, donc ça fait... Euh, je compte juste un instant. Ça fait 11. Ça fait 11 plateformes hein, quand même, ça fait beaucoup. Euh, sachant que toutes ne seront pas forcément utilisées. Euh, donc ne vous étonnez pas évidemment, je, je réponds à vos commentaires, mais c'est je, je, fais, je fais quelque chose, mais ne rassurez-vous, je vais jeter un coup d'œil de temps en temps à vos commentaires, hein, c'est un peu aussi le but. C'est surtout euh, voilà, mais je ne peux pas me concentrer forcément sur ce que je suis en train de faire maintenant et, et voir les commentaires en même temps, mais je vais essayer de jeter des coups d'œil de temps à autre pour voir vos questions si vous en avez. Donc là voilà, je viens d'éditer mon nom d'arrêt, donc j'ai en fait euh, j'ai vulgairement édité l'image pour que le B soit remplacé par un C donc en fait c'est pas un... en fait disons les poteaux d'arrêt sont... ne sont pas des variables ce sont des ce sont des images euh... ce sont des images euh, propres à chaque élément donc c'est donc ainsi par exemple si je faisais j'avais fait une faute sur le nom de la destination ici eh bien j'aurais juste à changer cette image et ça s'applique à tous les arrêts ce qui est euh... ce qui est un peu plus simple en quelque sorte Alors je profitais pour lire quelques questions en attendant le que je puisse concevoir maintenant la, la plateforme D. Euh, alors j'arrive tout de suite. Je juste crée euh, le dossier de la plateforme D et je regarde tout de suite vos commentaires. Alors Benzinger, je trace et plateforme D. J'arrive tout de suite. Un instant. Charlottenstrasse, alors on va prendre un ah, qu'il y a déjà la, la lettre D, donc Abt-Banoff en l'occurrence. J'arrive tout de suite. Strasser plateforme D. On retourne dans le jeu. Euh, alors, sachez que bon, j'ai pas besoin de, de quitter Omzi pour voir vos commentaires. J'ai un, un double écran, donc ce qui m'est très pratique pour, euh, pour voir à côté les choses annexes. Et ça me sert également pour Omzi 2 quand je dois par exemple chercher un objet ou avoir des références à côté. C'est très pratique le double écran pour euh, lorsque vous faites du développement web ou que vous concevez un jeu. C'est très pratique. Alors, j'arrive, voilà, je prends ma plateforme et on va pouvoir analyser ça. Alors, j'ai pour projet de créer une map, mais il y a des choses que je ne sais pas au travers de vidéos. Pourrais-tu me montrer des la formation des arrêts des routes, la confection des horaires euh, Alors, c'est assez complexe à, à t'expliquer euh, comme ça globalement, en Joe, mais disons que quand tu crées une carte, déjà de base, il y a, y a quelques éléments de... Il y a déjà un truc euh, qui peut déjà t'aider de base, c'est que dans le dossier Omzid 2, il y a... Il y a un dossier qui s'appelle Template. Je vais juste l'ouvrir pour que j'ai une référence, que je ne dise pas de bêtises. Le but étant d'en dire le moins possible. Il y a un dossier qui s'appelle Template et un dossier New Map. Et dans le dossier New Map, il y a en quelque sorte. Euh, tous les fichiers de base un peu nécessaires à cette carte. Et l'une des premières choses à faire quand tu veux créer une, euh, une carte, déjà c'est le fichier global. Parce que le fichier global, comme son nom l'indique, bah, ça regroupe pas mal de choses. Donc il y a en l'occurrence euh, bah, le nom de la carte, la description, c'est-à-dire le texte qui s'affiche quand tu sélectionnes une carte dans le menu. Hein, ça te dit par exemple bienvenue sur euh, telle carte. Euh, le réseau est géré par telle compagnie. Il y a... Euh, 5 lignes, etc., etc. Il y a d'autres choses à l'intérieur comme par exemple la liste des textures utilisées, ou par exemple la densité des passagers par heure, ou éventuellement les, les tuiles utilisées, donc c'est-à-dire les parties de terrain qui sont dans la, dans la carte. Après, euh, pour la partie, euh, après, la partie conception, elle n'est pas très compliquée. Euh, en général, ça suffit, suffit de poser un petit peu les éléments par-ci par-là. Euh, mais après, pour la partie euh, programmation, c'est-à-dire euh, euh, tracks and trips, j'en ai déjà fait quelques-uns, mais ça fait déjà un petit moment. J'avais fait ça pour ma map euh, semi-fictive en Norvège, le fameux gros Call Bannon. Euh, sauf que c'était pas encore totalement au point. Et du coup, comme ça fait un petit moment déjà que j'ai fait ça, et que je suis essentiellement axé sur la construction depuis presque une année déjà pour, euh, pour cette map d'Engelsberg, il faut que je, me, je réapprenne un petit peu comment faire les tracés. Parce que c'est pas forcément évident du premier coup. Donc je peux pas vraiment répondre pour l'instant au niveau des tracés. Mais déjà, l'une des premières choses en tout cas euh, qu'il faut faire en, en, en gros, c'est de. C'est déjà de construire les choses. Donc c'est-à-dire placer les bâtiments, placer les routes, euh, euh, donc, les, donc les splines en gros, euh, les éléments. Euh, voilà, un petit peu le, le, le décor de la carte en quelque sorte. Après, euh, effectivement, tu peux aussi créer tes objets. Euh, voilà, tu n'es pas forcément obligé d'utiliser les, les, les euh, tes propres objets dans, dans, dans la carte. Je, par exemple, les numéros ici que j'ai mis là au-dessus du dépôt, bah ça c'est moi qui les ai fait. Bon, alors c'est vrai que ce dépôt est assez grand. Il a, il a quand même 24 voies, mais en même temps c'est le dépôt principal de la carte. En même, ça s'explique. Et si vous vous demandez, euh, tout le monde, si vous vous demandez pourquoi euh, les 8 premières voies sont soulignées en vert, eh bien, c'est qu'il y a une raison toute simple. Si je vous montre ces véhicules euh, statiques au dépôt, ce sont des, évidemment des e Donc, en l'occurrence, des véhicules électriques. Donc, avec évidemment des prises d'alimentation électrique Alors, non, ce ne sont, je me suis inspiré, oui, un petit peu du e de de, de. de la map d'Hambourg, qui a eu sa mise à jour euh, récemment. Mais ça, c'est moi qui l'ai fait, justement. Je l'ai. J'ai pas euh, piqué le truc de, du dépôt, non, j'ai fait ça à part. Donc il ya a vraiment que cette prise-là, donc c'est juste décoratif, ça montre que... Voilà, le dépôt ici a été conçu pour pouvoir euh, accueillir des véhicules électriques. Tandis que les voies euh, plus à l'écart sont des voies euh, plutôt pour les véhicules diesel. Mais voilà, tu peux... C'est pas très compliqué de créer un objet sur Omzid 2, euh, si ce n'est à moins d'avoir juste quelques connaissances de base. Un logiciel comme SketchUp peut très bien faire l'affaire et après tu... Après tu peux... Euh, il suffit de passer par Blender en faisant une ou deux petites étapes qui ne sont pas trop compliquées. Et normalement après, euh, quand tu as bien configuré ton objet, bah, tu peux l'ajouter dans le jeu notamment. Il est prévu aussi que je rajoute des panneaux euh, d'entrée au dépôt, ce que je n'ai pas encore fait pour l'instant parce que c'est une histoire de template. Et ça, je dois voir avec quelqu'un qui m'avait aidé. Euh, sauf que le problème c'est que ces disponibilités ne sont pas forcément les... Ses euh, disponibilités ne sont pas très élevées. Donc c'est pour ça que... Ça, ça, ça n'est pas encore mis en place. Certaines choses ont déjà été mises en place. Hein, je veux dire, par exemple, les panneaux. Euh, euh, ah, ça charge parce que j'ai changé de tuile. Ça, c'est un petit peu casse-couille, mais bon, ça, on, faut essayer de faire un petit peu. Euh, bon, normalement, ça, devrait pas, ça devrait pas prendre trop de temps. Par exemple, ce poteau d'arrêt, euh, j'ai pu le faire avec lui parce qu'il a eu une disponibilité. Donc, en gros, chaque élément ici euh, a un template. Donc c'est à dire, bah, si je veux modifier une texture, euh, par exemple sur mes, la, la texture des horaires ici, eh bien, euh, elle pourra, ça pourra s'appliquer correctement. Par contre, je ne sais pas pourquoi là, il se sélectionne bien en bleu, mais quand je passe ici, il ne se sélectionne pas en bleu. C'est une bizarrerie. Enfin, voilà. Euh, donc c'est pas très compliqué de, de créer un objet à moins d'avoir quelques connaissances de base. Après pour faire un véhicule, c'est un petit peu la même chose, mais il y a quand même des différences. Il y a quand même les scripts évidemment qui peuvent en rebuter certains. Euh, voilà, donc pour la, le niveau construction, voilà, je peux dire quelque chose, mais au niveau des, des, des configurations horaires comme ça, il faut encore que je m'y fasse un peu. Donc je peux pas forcément répondre à ça pour l'instant. Voilà. Et enfin, deuxième question, euh, comment on fait pour remplacer le H pour mettre un logo euh, Je sais pas. Pas ce que tu veux dire par le h est ce que tu veux dire le h qu'on a euh, au dessus des arrêts la, la balise d'arrêt en quelque sorte je sais pas si c'est ça que tu veux dire mais si c'est ça en fait euh, c'est comme j'ai dit avant normalement dans le dossier euh, dans, le, dans le dossier des indicateurs donc en l'occurrence euh, c'est le dossier euh, générique euh, dans les scénarios object donc je sais pas si je réponds comme ça mais je le dis au passage hein, si jamais euh, dans le dossier générique, normalement, il y a un dossier texture et il y a dans ces textures le symbole H et normalement, euh, il suffit d'éditer cette texture euh, pour que normalement elle s'applique dans le jeu. Alors, il faudra peut-être le redémarrer, enfin, je pense qu'il faudra le redémarrer s'il était déjà ouvert. Mais le plus simple encore, c'est de copier le dossier et de tout simplement... Euh, changer les textures en quelque sorte au gré de ce que les gens préfèrent c'est comme ça que certains créateurs ont pu faire leur propre légendes comme par exemple voilà j'ai vu des maps comme Cromenab ou Winsenburg qui ont des indicateurs de direction différents donc je sais pas si euh, ça je réponds clairement à ta question au niveau du pour remplacer le H mais c'est ce que je vois personnellement Alors, donc ici à um, Blutenhanger, donc en fait, je, le dépôt logiquement il devrait s'appeler comme ça, mais le dépôt ici s'appelle Nordstadt puisque c'est la partie ici qui s'appelle. Euh, c'est la partie nord de la ville qui est euh, la, la partie Nordstadt. Euh, L'avantage de ce dépôt c'est qu'il se trouve à côté de plusieurs lignes, donc à côté on est sur la 120. Avec ce que j'aime beaucoup, euh, ce que je trouve bien fait, c'est la station de tramway aérienne. Du coup, c'est un avantage pour le tramway, ça lui permet d'être rapide et surtout d'éviter les, alé les aléas de circulation en dessous. D'autant plus que la place était limitée au, au centre. Il n'y aurait pas la place euh, ici au centre de mettre deux voies de tramway l'une à côté de l'autre. Ou alors elle devrait être sur la route, mais ça ne serait pas pratique. Donc c'est vraiment un avantage de mettre ce tramway. Enfin, dès la base, quand j'ai voulu mettre le tramway ici, s'il y avait un critère de base, euh, c'était de faire un tramway qui soit rapide et qui... Euh, se passe le plus possible des voies de circulation pour que ça évite les encombrements et les retards. Par exemple, ce carrefour ici, euh, si les voies étaient au sol, elles seraient, euh, le tramway euh, perdrait des minutes hein, pour passer tandis que là-haut, il n'est pas affecté par ce problème. Et un peu plus haut, alors je. Il y a un autre dépôt que je veux bien vous montrer pendant qu'on y est, parce que de toute façon, en plus c'est sur le trajet de la ligne 107. Que je suis en train de, de faire en ce moment, enfin ces jours-ci. Après, ouais, euh, juste pour répondre à. J'en profiter ça me revient euh, concernant la question que tu avais justement pour le la confection des horaires. Il y a un truc au niveau des, des traffic rolls. Euh, il y a un truc aussi que j'ai remarqué. Suivant certains, certains endroits, les splines ne sont pas forcément très bien connectés. Euh, je m'explique. On peut le voir ici que par exemple. Il n'y a pas de, de trajet, il n'y a pas de spline qui connecte à celle-ci. Alors logiquement je pourrais en mettre une, mais j'ai pas trop envie de le faire parce que bon déjà pour arriver à la connecter à, à un autre endroit, par exemple ici, ça serait pas forcément évident. Et puis deuxièmement, ben ne respecterait pas le feu ici, justement. Donc c'est pour ça que je suis en train, il euh, faut aussi que je revoie mes tracés pour que les véhicules puissent changer de voie. Là ici par exemple j'ai fait une, on voit pas très bien mais ici j'ai fait une petite manip pour que les véhicules puissent changer de voie. Parce que celui qui arrive ici au milieu, bah, comme c'est la 107, évidemment il va devoir tourner euh, vers le dépôt là où on était avant alors que la ligne 120 elle pourra continuer normalement euh, tout droite. Euh, du coup, je vais vous montrer un autre dépôt, du coup, euh, qui n'est pas forcément prévu pour tout de suite, mais que j'ai déjà mis. C'est le dépôt, euh, lui, s'appelle Grafingerstrasse, parce que tout simplement l'arrêt qui se trouve juste à côté, si j'arrive à vous le montrer correctement. Ouais, on le voit un petit peu ici, mais c'est écrit Grafingerstrasse. Je préférerais mieux l'appeler comme ça plutôt que Nordstadt, parce que Nordstadt, il est un petit peu distant et ça aurait été étrange. Lui, c'est le fameux dépôt de tram, même s'il y a quelques véhicules. Euh, s'il y a quelques véhicules euh, routiers qui sont quand même stockés pour l'occasion. Un dépôt, enfin pas très grand, qui peut contenir au moins le tramway, avec voilà, sa fameuse piste de livraison euh, ou départ à la casse. Donc euh, en l'occurrence ici, bah, des véhicules qui sont euh, hors service, qui, ont quand même, qui sont quand même assez bien faits. Et vous avez peut-être remarqué au passage un véhicule familier, euh, suivant si certains sont ici. La fameuse B44 qui est en, en cours de, de retrait, ce que je trouve extrêmement dommage parce qu'en plus c'est des véhicules en bon état et malheureusement bah, cette bande de connards d'entreprise préfère les jeter à la casse au lieu de les revendre, euh, je sais pas, par exemple en Europe de l'Est ou, ou en Afrique, quoi. Je veux dire, on ne peut plus envoyer du matériel en bon état à, à la casse, quoi. Alors certes, c'est peut-être un matériel qui a 40 ans, mais il est quand même en bon état, et quand tu vois en Russie, enfin dans des pays de l'Est, qu'il y a des véhicules quand même de 50 ans qui arrive quand même encore à circuler il ya un moment où je me pose des questions après oui c'est plancher haut je peux comprendre mais c'est vrai qu'on peut pas se permettre de jeter un matériel en bon état quoi on peut plus on peut plus gaspiller maintenant quoi voilà donc ici c'est le dépôt en quelque sorte des tramways euh, que j'ai déjà construit mais qui sera pas opérable tout de suite De toute façon le tramway n'est pas prévu pour tout de suite du moins euh, certaines sections seront déjà aménagées parce qu'évidemment elles sont à côté de lignes de bus euh, qui sont qui seront euh, que vous pourrez conduire l'occurrence en l'occurrence ici sur la 107 ou encore un peu plus par ici euh, si ça peut bien charger rapidement par exemple ici la communication là il est très clair ça sera aménagé justement puisque la euh, la ligne 107 elle passe euh, elle passe d'ici à gauche à la droite euh, de l'image euh, N'oublie pas de changer l'immatriculation des véhicules, y compris les bus et les tiens. Je... De toute façon, je vais prendre le temps pour faire chaque étape. Donc il est... De toute façon, les plaques aussi, elles seront, elles seront éventuellement adaptées. Mais ça, c'est pas tout de suite. Ce sera vraiment dans les dernières étapes. Moi, je me concentre plutôt d'abord sur le, le gros du gros. Cumberia's euh, Play pour t'aider. Alors, je ne connais pas cette chaîne. J'irai probablement jeter un coup d'œil. Mais ça, ça, ce sera quand j'estimerai je, nécessaire. Pour l'instant, je me concentre vraiment que sur. Euh, essentiellement d'abord sur la partie de la construction pour. Euh, pour euh, vraiment faire le, le mieux que possible. Et après, je passerai aux étapes plus techniques. Donc éventuellement, j'irai regarder des tutos pour. Euh, pour euh, pour m'appuyer en quelque sorte sur. Euh, comment faire. Euh, comment. Euh, pour certaines étapes qui seraient un petit peu encore trop inconnues, euh, assez blanches pour ma part. Euh, du coup, ici. Alors, dans mon dernier live, j'étais autour d'ici, mais j'ai pas vraiment avancé en, entre temps parce que j'ai quand même été assez occupé par d'autres éléments, d'autres projets. Mais on va essayer de réfléchir un petit peu comment on va, on va aménager ici. Alors, j'hésite entre le fait de continuer à prolonger les. Les petits cabanons au bord de la route ou alors éventuellement de créer une zone boisée j'hésite un peu mais je vais juste tester pour voir on va quand même mettre quelques quelques patelins quelques petits cabanons pour voir alors oh, ça va pas trop se voir heureusement j'essaierai un petit peu de cacher ça pour voir un peu euh, ce que ça donne comme effet alors non j'ai pas encore mis le, le bitume ici mais ce sera rajouté euh, très prochainement. Mais en tout cas vous pouvez voir avec les... Vous pouvez voir avec les, 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 les Invis uh, in Street euh, que le tracé est déjà défini. Il sera après à mettre les marquages euh, et évidemment la, la texture du, du bitume. Alors c'est pas forcément évident de mettre ça dans des virages. De toute façon, au pire des cas, je revisiterai la section euh, si nécessaire. Parce que c'est pas forcément facile de bien cadrer tout ça en virage. À moins de rajouter un peu quelques éléments euh, décoratifs. Donc au mon avis, on va essayer d'aller ouais, jusqu'avant le muret. Et après le muret, on va... Ouais, on va boiser ici. Ça permettra un peu d'avoir une sorte de... Ouais, un peu une zone de transition. Ouais. Donc encore une fois, je le redis euh, bonsoir à ceux qui seraient arrivés. Mais ça m'étonnerait parce que je vois que vous n'êtes pas très nombreux ce soir. Euh... Alors, ça donne quoi comme ça ça un petit peu, ouais, il faudrait quand même rajouter, on va dire, quelques arbres pour que ça, ça soit un petit peu plus beau. Donc si jamais s'il y a d'autres questions éventuellement, euh, n'hésitez pas à les poser. Il hein. ne faut, faut, faut vraiment pas hésiter à les poser. Hein, si vous en avez un, hein. je ne vais, vais pas vous croquer. Pour hein, euh. bon, à part si vous me posez une question, enfin si vous me dites euh, c'est quand que la map sort, euh, là, euh, c'est une question que je ne vais, euh, vais pas répondre, hein, évidemment. Mais si vous avez une question sur la map, sur le nombre de lignes, sur... Euh, sur certaines choses, les véhicules, etc. Alors, euh, n'hésitez pas à me les poser, hein. je suis... Euh, ce, ce live est fait pour ça, justement. C'est vraiment pour qu'il y ait un échange avec vous. Euh, du coup, alors, euh, ici, alors... Pour ceux qui se poseraient la question, alors c'est aussi Ingar, mais cet arrêt s'appelle Nordbanhof. Alors je m'excuse pour mon allemand qui est un petit peu rouillé. Bon, en même temps, l'allemand n'a jamais été ma langue, euh, la langue, ma langue favorite, parce que je voulais s'imaginer avec tous les accords, tous les mots compliqués, tout ça. Alors euh, du coup, pour moi, l'anglais, je m'en sors un petit peu mieux. Euh, bonsoir à ceux qui arriveraient au passage, je le redis encore une fois. Donc ici l'arrêt Nordbanhof, euh, qui est euh, bon, la gare... On va pas dire la gare du nord hein, comme à Paris, non, 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 hein. mais voilà la gare au nord de la ville. Et je pense qu'il y aura probablement la même chose avec une sud off. mais ce sera pour euh, je pense une V2 parce que c'est sur une ligne qui n'est actuellement pas en, pas, en cours de, 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 pas en cours de création donc euh, prévu pour plus tard. D'autant plus, que le tramway euh, il passe également. Et, euh, et puis, le tramway il répond très bien. Hein, je veux dire, euh, son, normalement il relie l'aéroport au nord au, au sud de la ville. Donc, le fait que le tramway passe à la fois par les gares euh, au nord, central et au sud, c'est parfaitement logique. C'est sa, sa mission, justement. Il fait un peu le rôle d'une transversale. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Je le redis. Hein. Je, je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui sont là. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en quelque sorte. C'est fait pour ça. Ah, ben, tu as par exemple une bonne question, euh, voilà. Alors, euh, d'ailleurs, ça tombe bien, cette question, elle, euh, on peut dire que tu l'as posée exactement au bon moment. Euh, quel véhicule se rend dans le four-parc d'Engelsberg ouais, en, en gros, dans la... Ouais, enfin, quel véhicule se rend dans la flotte, en quelque sorte, voilà, pour euh, rester en français, hein, tout de même. Il <laughs> euh, y a quelques heures, je crois, ou quelques minutes, environ, je crois, peut-être deux heures, euh, sur mon Facebook, que je vous invite à suivre, d'ailleurs, pour avoir des informations de... Sur mes projets 2, j'ai posté une liste euh, à peu près approximative de, de la, des véhicules qui seraient euh, disponibles pour la carte. Alors je peux vite essayer de vous montrer rapidement, je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus, mais je veux bien vous montrer un extrait. Alors je vais juste sélectionner ma source euh, parce que je suis sur omzi 2, donc je vais aller sur le profil Facebook. Alors un instant. Normalement il devrait fonctionner d'ici un petit instant. Voilà. Alors normalement vous devriez voir mon Facebook. Euh, si je descends un peu plus bas. Alors il y a déjà les images. Je, voilà, j'ai posté il y a deux heures un, un poste qui regroupe une, on va dire, une trentaine de véhicules euh, différents couverts. Donc je vais pas tous euh, vous les montrer parce que ça fait trop longtemps, mais sachez qu'il y a à peu près, on va dire, une trentaine de véhicules euh, qui ont leur livret euh, prévu pour la carte. Et attention, cette liste, elle n'est pas encore définitive, il y a encore d'autres véhicules qui peuvent très bien être ajoutés. Euh, par exemple, le Blue Bus qui est sorti récemment, n'a pas encore eu sa livrée, mais je pense que je vais l'ajouter très certainement. C'est juste une question de temps. Mais il y a déjà les principaux véhicules qui sont, euh, qui sont compris dans la carte. Donc, si vous voulez avoir une idée de ces véhicules, alors n'hésitez pas à aller sur mon Facebook, parce que là, euh, je peux vraiment mettre autant d'images que je veux. Sur Instagram, c'est un petit peu plus limité. Mais voilà, allez, euh, allez, sur, allez sur mon profil Facebook et regardez ce poste pour avoir une idée de toute la liste des véhicules qu'il y a de, 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 de disponibles. Parce qu'il y a un bon euh, il, y a, um, il y a un bon paquet en tout cas. Voilà. Donc je retourne maintenant sur, euh, sur l'éditeur. Donc, voilà. Donc si jamais, euh, n'hésitez pas à aller pour voir un petit peu les, 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 les véhicules que vous pouvez. Euh, pour voir les véhicules que vous allez... Euh, pour voir les véhicules qui sont compris, voilà. <coughs> voilà. Alors non, je vous rassure, je suis en bonne santé. Hein. Si vous m'entendez pas mal tousser, c'est juste que c'est normal. C'est dû euh, à force de parler. Euh... Il y a un moment il faut que je respire quand même, donc c'est normal que je tousse. Hein. J'ai pas la maladie, hein. j'ai pas euh, cette fameuse maladie dont on parle. Donc euh, voilà, je suis sain pour le moment et j'espère le rester. Normalement, ici en Suisse, la situation est quand même assez stable. On a à peu près autour des 300 cas. Ce qui montre qu'on euh, a eu au, max au maximum 30 000. Donc euh, là, actuellement, il en reste à peu près que 300. Donc je suis assez confiant. Donc on a, on va dire, plutôt bien géré la situation. Même s'il y a quand même des connards qui cherchent toujours à voilà à ignorer les faits. Mais voilà, ici au moins, la situation est beaucoup plus stable. Donc c'est pour ça qu'on a quand même des un peu moins de restrictions. Voilà. Alors, si jamais si, euh, d'autres questions, n'hésitez pas à, les, à continuer à les évoquer. Hein, euh, sortez les questions, hein, sortez-les, hein, interrogez-moi. Hein. Faites comme euh, vous aimeriez torturer votre professeur. Hein. Hein, ici, on va plutôt mettre de la grande taille. Pas que du petit. Et on va mettre un peu quelques arbres par-ci, par-là. Alors, certes, c'est pas... C'est un petit peu plus... Euh, un peu simple, c'est un peu simple ici, mais disons que voilà, si le joueur ne prête pas trop le regard et que suivant les paramètres graphiques, ça ne se voit pas trop, ça apparaît à peu près normal. Par contre ici, il va falloir que je mette un feu parce que évidemment c'est pas encore, il y a déjà les éléments qui sont en place, mais il n'y a pas encore de la signalisation. Euh, il est quoi du coup 21h40. Alors au pire des cas on, on va aller déjà jusqu'à 22h. Ça fera à peu près déjà une heure de live, ce qui je pense euh, devrait être largement, euh, largement assez. Alors je check juste un instant euh, le Discord s'il y a un message ou comme ça. Non c'est tout bon. Non, c'est tout bon. Pendant que je suis aussi en train de checker le OMSI Webdisk, euh, je l'ai déjà dit, mais si vous ne le savez pas encore, le WebDisc commence enfin à revêtir le drapeau tricolore français. Oh, je veux dire par là, évidemment, que le site commence à avoir des traductions en français. Et évidemment, qui est cette personne qui est chargée des traductions en français Eh bien, c'est moi. En fait, à la base, il, il était prévu que le, que le webdisc soit multilingue, notamment à cause des événements qui se sont passés sur le, sur le forum principal. Et du coup, ils, se, ils, étaient en, ils recherchaient. Éventu, enfin, il y avait déjà une personne qui s'occupait des traductions d'anglais et qui avait un petit peu commencé en français, mais comme elle apprend cette langue, elle n'est pas forcément sûre des traductions. Euh, elle avait demandé de l'aide, et donc du coup, moi qui avait dit, euh, avais dit j'avais vu qu'il euh, cherchait un traducteur avant pour l'anglais, j'aurais eu bien envie de le faire. Mais euh, voilà, c'était un petit peu tard, je pas été retenu, et là du coup, ben, ils sont retournés. Enfin, l'équipe est retournée vers moi pour me dire euh, Est-ce est que ça serait possible que tu puisses nous aider à traduire le webdisc en, en français Et j'ai dit Oui, pourquoi pas, après tout, euh, vu que c'est ma langue maternelle, et si ça peut servir les gens, que ça peut les aider, euh, pourquoi pas, justement donc le webdisk est un peu en cours de traduction, donc s'il y a encore des traductions en anglais qui apparaissent, bien que vous ayez euh, l'interface en français, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas encore tout fini, il y a à peu près une centaine de pages de, de traduction. Donc ça prend du moment et sachant que ça fait que deux semaines que j'ai commencé. Et surtout il faut additionner le fait euh, que ça ne fait. Euh, ça fait à peu près deux semaines. Euh, euh, ça fait deux semaines que j'ai commencé les traductions. Alors par contre cet arbre ici, il ne va pas être très pratique. Il va falloir que je l'enlève parce qu'il masque le feu. Et il était beaucoup trop près. Ouais, ici c'est mieux. Comme ça, le feu est bien visible de loin. Donc si jamais, si vous aviez peur de vous enregistrer sur le webdisc parce que soi-disant, s'il n'y avait pas de français ou ou voilà qu'il avait que de l'allemand et de l'anglais que ces langues n'étaient pas votre point fort, eh ben, sachez que l'interface est... commence à être disponible en français. Par contre pour poster dans les forums, mieux vaut que je vous dise, mieux vaut conseiller euh, l'allemand ou l'anglais. Si vous ne savez pas l'allemand, euh, au moins euh, postez votre sujet en anglais. Parce que tout le monde ne parle pas forcément le français. Mais au moins, euh, si l'interface pour vous est en français, que les explications comme les, les tutos, euh, euh, les menus, tout ça sont en français, ça... Si ça peut vous aider, euh, tant mieux. Mais après, pour poster vos contenus, mieux vaut les, au moins les écrire en anglais de base pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Euh, voilà. Alors, une autre question, ta map est-elle urbaine ou interurbaine euh, C'est très simple, les deux. Parce que comme je l'ai dit, il y a des lignes urbaines. Donc, euh, par exemple, la 107 ici sur laquelle je travaille, c'est une ligne urbaine. En général, les lignes entre les numéros 101 et 110 sont des lignes urbaines. Tandis que les lignes 120 à 123, dont, enfin les lignes 120 en quelque sorte, parce que je ne sais pas si j'en prends beaucoup. Euh, les lignes 120 à 123 sont des lignes L interurbaines. Il y a encore deux autres catégories de lignes. Il y a les lignes en 200, donc en l'occurrence la ligne 201, c'est pas compliqué. C'est la, la ligne de tramway, tout simplement. Donc les, les lignes en 200, ce sont les lignes dites euh, ferroviaires, donc sur des rails. Donc en l'occurrence. Euh, le tramway donc il n'y a pour l'instant que la 201 et je pense euh, pour un très long moment mais ça aurait été plus logique que de nommer la ligne de tramway 111 la ligne 201 permet d'avoir euh, déjà une différence parce que bon la 101 c'est déjà une ligne de bus mais c'est vrai qu'il aurait fallu un numéro de base le premier pour dire vraiment que c'est la première ligne de quelque chose donc en l'occurrence c'est le numéro le numéro 201 qui est tombé et il y a également les lignes nocturnes qui, elles, sont des lignes en 800. Donc si je prends ce panneau par exemple, on peut voir, voilà, 107, que c'est une ligne urbaine de jour, tandis que la ligne 804, c'est une ligne euh, urbaine de nuit. Euh, de nuit, quand je veux dire par là, c'est-à-dire que c'est une ligne qui circule en général entre minuit et 5 heures du matin. Donc la 107, elle circule très bien de 5 heures du matin jusqu'à jusqu minuit. Tandis qu'après, pour la, la période des heures creuses de la nuit, c'est la... Enfin, vers 2 heures du matin, bah c'est les lignes 800 qui prennent le relais. On passe de 10 lignes urbaines à, à 4 lignes urbaines la nuit. Par contre, les lignes interurbaines, donc les 120L, elles gardent leurs tracés normaux, mais leurs fréquences, elles sont euh, beaucoup plus réduites, évidemment. Hein. Tout le monde ne va pas voyager à 2 heures du matin. Ça me paraît logique. Donc, la map comprend les deux types de, 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 de lignes. Donc, en gros voilà des lignes urbaines et interurbaines euh, oui mais les lignes urbaines elles passent aussi dans la campagne donc bon la 101 par exemple euh, c'est vrai par contre je vais quand même évoquer une différence euh, j'avais fait pour, pour montrer la différence j'ai fait, fait plusieurs vidéos déjà sur la carte donc une sur la 101 et une autre sur la 120 la 120 avec un evadis euh, Peut-être que la 101, effectivement, elle passe en campagne, mais c'est surtout qu'en fait, son trajet, il n'est pas très, très long en campagne. Elle sert juste un petit village à côté. Donc, elle est assez, en général, considérée comme urbaine. Alors que la 120, elle, elle est davantage plus interurbaine parce qu'elle traverse davantage plus de, de campagne et de, et de villages, de, de petits villages isolés dans les, dans les montagnes, dans les forêts. Donc, c'est un peu ça la différence. Ou encore ici, euh, certains pourraient se dire, effectivement, la 107 peut être une ligne interurbaine. Euh à Cet endroit parce que voilà, il n'y a pas de, de maison, il y a des arbres, c'est voilà, il y a des champs. Mais en général, si la distance ici est très courte, en général, c'est plutôt une ligne urbaine. Parce que bon, je veux dire, je vais pas, pas arrêter la ligne urbaine sans cette ici à cet endroit là, ça sert à rien parce que vu qu'elle part de la gare centrale et si elle arrive ici, ce serait un peu inutile parce que voilà, la ligne de tram elle part également de la gare centrale et elle passe par ici donc ça ferait un. Ça ferait presque un doublon inutile, quoi. À la différence que le tramway serait plus rapide. Donc du coup, ben, les gens qui voudraient aller ici, ben, ils prendront le tramway, justement. Ils ne prendraient pas le bus. Donc c'est un peu normal que la ligne sorte un petit peu de la, de la ville et que, effectivement, certains puissent prêter à confusion que c'est une ligne interurbaine plutôt qu'urbaine. Ou encore, par exemple, la ligne 110, qui elle, est une ligne plutôt spéciale, parce que c'est une ligne qui relie la gare centrale à la gare TGV, alors qu'il est très clair que la gare TGV, elle sera en dehors de la ville. Je pense que c'est logique. Ben, la ligne est quand même considérée comme une ligne urbaine, parce que c'est une ligne qui est rapide et surtout, elle ne passe pas trop en campagne je veux dire, la, 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 la gare ICE, elle est quand même assez proche, enfin très proche de la limite de la ville. Donc c'est pour ça qu'elle est quand même considérée comme, euh, est considérée comme urbaine. J'essaie quand même de réfléchir, voir si je connais des exemples de, 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 de villes qui, qui sont dans ce cas. Mais en tout cas, euh, l'une des choses qui permet de distinguer aussi les lignes interurbaines des des, des, des des lignes urbaines, c'est que vraiment les lignes urbaines, elles passent toutes au centre-ville. Elles passent toutes par la gare centrale. Tandis que les gares, enfin les lignes interurbaines ne sont pas forcément toutes reliées à la gare centrale. Je veux dire, les, les deux lignes, par exemple les 120 et 121, partent effectivement de la gare centrale, mais d'autres lignes autour n'y vont pas. C'est aussi pour des questions, on va dire, à la fois de tracé, mais aussi de performance. Hein. Imaginez si je fais passer les 20 lignes par la gare centrale. Hein.